Bonjour et bienvenue à tous, chers frères et sœurs. Ce matin, nous vivons avec sainte Mechtilde d'Aquenbord, celle qui a reçu de Jésus les révélations concernant le Notre Père pour la délivrance des âmes du purgatoire. Cette vidéo que nous voulons vous a proposée hier, si vous voulez vivre ce Notre Père. Alors, on vous a proposé une petite explication, mais autrement, vous rejoignez vers 4 minutes et comme ça, ça vous permet de prier ce Notre Père tous les jours, puisqu'il est à vivre non seulement pendant le mois de novembre, qui est un entraînement, mais aussi pendant toute l'année, car les âmes du purgatoire n'attendent que nos prières. Et nous chantons la vie en abondance ce matin en lien avec l'évangile de ce jour. Je suis venu pour la vie en abondance. Je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Jésus-Christ est le bon berger. Il donne sa vie pour ses brebis. Celui qui aime comme lui est passé de la mort à la vie. Je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Celui qui est le Fils à la vie. En lui nous avons reconnu le vrai Dieu et la vie éternelle. Je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Jésus-Christ est le pain de vie. Le vrai pain qui descend du ciel, celui qui mange de ce pain ressuscitera au dernier jour. Je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mechtilde, nous sommes au XIIIe siècle, est née dans une famille noble et puissante, apparentée aux Hohenstaufen. Sa sœur aînée est abbesse au monastère des Cisterciennes de Rodersdorf, qui sera plus tard transférée à Elfta. C'est donc tout naturellement que lorsque la petite Mechtilde atteint l'âge de raison, son éducation est confiée à la grande sœur. Elle ne quittera plus le monastère où s'épanouissent son esprit et son cœur. On lui confie la charge de maîtresse des novices et parmi ces dernières, Sainte Gertrude, que l'Église a fait mémoire il y a quelques jours, dont l'Église a fait mémoire il y a quelques jours. Ce n'est qu'à la fin de sa vie que Mechtilde consentira à dévoiler le livre qu'elle a rédigé, le livre de la grâce spéciale. Toute sa vie bénédictine s'enracine dans la liturgie, la pratique de la Lectio Divina. Elle va être de ces saintes qui approfondissent cette vision du Sacré-Cœur. Non pas comme un amour méconnu, mais comme un amour victorieux. Alors, tout naturellement, demandons l'intercession de sainte Mechtilde
dans cette célébration de l'amour, de la rencontre de deux amours, l'amour de Dieu et du nôtre. Et reconnaissons tous nos manques d'amour. Seigneur Jésus, Fils de Dieu, venu dans le monde partager nos peines et nos joies, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, mort sur la croix pour vaincre en nous la mort et le péché, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, ressuscité d'entre les morts pour nous ouvrir le chemin de la vie, prends pitié de nous. Dieu éternel, prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, comme l'enseigne l'Esprit Saint, nous pouvons déjà t'appeler du nom de Père. Fais grandir en nos cœurs l'esprit d'adoption filiale, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecteur de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai entendu une voix qui disait « Les deux témoins chargés de prophétiser, ce sont eux les deux oliviers, les deux chandeliers, qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, un feu jaillit de leur bouche et dévore leurs ennemis. Oui, celui qui voudra leur faire du mal, c'est ainsi qu'il doit mourir. Ces deux témoins ont le pouvoir de fermer le ciel pour que la pluie ne tombe pas pendant les jours de leur prophétie. Ils ont aussi le pouvoir de changer l'eau en sang et de frapper la terre de toutes sortes de fléaux aussi souvent qu'ils le voudront. Mais quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les fera mourir. Leurs cadavres restent sur la place de la grande ville, qu'on appelle, au sens figuré, Sodome et l'Égypte, là où leur Seigneur aussi a été crucifié. De tous les peuples, tribus, langues et nations, on vient regarder leurs cadavres pendant 3 jours et demi, sans qu'il soit permis de les mettre au tombeau. Les habitants de la terre s'en réjouissent. Ils sont dans la joie, ils échangent des présents. Ces deux prophètes, en effet, avaient causé bien des tourments aux habitants de la terre. Mais, après ces 3 jours et demi, un souffle de vie venu de Dieu entra en eux. Ils se dressèrent sur leurs pieds et une grande crainte tomba sur eux qui les regardaient. Alors les deux témoins entendirent une voix forte venant du ciel qui leur disait « Montez jusqu'ici. » Et ils montèrent au ciel dans la nuée sous le regard de leurs ennemis. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il est mon rocher. Il est mon rocher. Il est ma forteresse. Mon libérateur et mon Yeah.
forteresse, mon libérateur et mon Dieu. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quelques sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur répondit, « Les enfants de ce monde prennent femme et mari. » Mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre, dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Alors certains scribes prirent la parole pour dire « Maître, tu as bien parlé » et ils n'osaient plus l'interroger sur quoi que ce soit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La foi en la résurrection apparaît tardivement dans l'histoire juive, aux alentours des années 165 avant Jésus-Christ. On en trouve la trace dans les livres de Daniel et le livre des martyrs d'Israël, les livres des martyrs d'Israël, c'est-à-dire en période de persécution. Aussi, alors que les pharisiens y croyaient, les sadducéens n'y croyaient pas. Et ils appuient leur argumentation sur la rencontre de Moïse avec Dieu au buisson ardent, où celui-ci se présente comme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et ils explicitent cela avec une histoire, on dirait rocambolesque, pour prouver le ridicule de la résurrection. Comment répondre honnêtement à ce qui est vicié à la base? À ce qui ne cherche pas de réponse, mais qui n'a d'autre but que de confondre Jésus. Néanmoins, Jésus y répond en centrant sa réflexion
sur sa source, sur la source, Dieu. Qui est-il? Que dit-il de lui-même? La mission de Jésus est de révéler le mystère de Dieu. Oui, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Un Dieu qui s'identifie à trois personnes qui sont mortes. Mais au livre de l'Exode, Dieu ne dit pas « J'étais le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob », mais « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Et donc, s'il est le Dieu de ces trois patriarches, c'est donc que ces derniers vivent et qu'ils sont en alliance de vie avec Dieu. Oui, être en alliance avec Dieu, c'est recevoir sa vie en abondance. Ce Dieu qui ne cesse de nous dire, comme le livre d'Ézéchiel l'affirme, « Je veux que tu vives ». Mais, actualité oblige, aujourd'hui encore, on trouve des chrétiens qui, sans nier la résurrection, se laissent attirer par d'autres croyances, notamment celle de la réincarnation. La résurrection est la vie avec Dieu au terme d'une vie sur terre passée avec lui. La réincarnation n'est pas la vie avec Dieu, mais une série de vies terrestres jusqu'à ce que la perfection de l'âme lui permette de se fondre dans le tout, dans l'immensité. Il n'y a pas de vie avec Dieu. Alors, ou on croit à l'un, ou on croit à l'autre, mais pas les deux en même temps. Croire à la réincarnation, aux vies antérieures, c'est nier la résurrection du Christ. L'Évangile est clair, l'enseignement de l'Église est clair. Le Christ est mort et ressuscité pour que notre vie soit transfigurée après notre mort auprès de Dieu. Mais il n'y a pas besoin de ce cycle continu de vie terrestre pour racheter ce que nous avons pu commettre ou d'autres ont pu commettre avant nous. Mais revenons à l'Évangile pour souligner un autre aspect. Certains pensent que la vie dans l'au-delà serait le calque de notre vie terrestre, et qu'on retrouverait l'amour privilégié de l'époux, de l'épouse, des enfants, des parents, etc. Mais là aussi, Jésus est clair. Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne se marie pas, on est comme les anges dans les cieux. Certes, au ciel, nous pourrons retrouver tous ceux que nous avons aimés sur terre, ou qui nous ont aimés. Mais en Dieu, l'amour sera si pur, si intense, qu'il sera alors le même envers toutes les âmes du ciel. Tout comme Dieu nous aime personnellement, tout comme Dieu nous aime infiniment, personnellement et communautairement,
nous nous aimerons infiniment et éternellement, communautairement. Dans le cœur de Dieu, il n'y a pas de préférence. Tout n'est qu'amour, rien qu'amour. Oui, vraiment, fortifions notre foi en ce jour. Notre foi en la résurrection, en la vie éternelle, parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts mais des vivants, tous en effet vivent pour lui. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, purifie-moi de mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accueille favorablement, Seigneur, ces présents que dans ta miséricorde tu as donnés à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Fais qu'ils deviennent par ta puissance le sacrement de notre salut par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie nous te célébrons en proclamant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Souviens-toi de Jean Bouchet, à l'occasion de l'anniversaire de son décès, de Jeanne Bouchet, des défunts de sa famille. Souviens-toi des âmes de purgatoire et des défunts des familles Plane, Guillaume, Sivieux, des Gaumes. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, nous implorons ta bonté, spécialement pour une action de grâce, pour les vocations, pour Fernande, Catherine, Julie et les familles Plane, Guillaume, Sivieux, des Gaumes. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous prions nous avec osons Sainte dire Mechtilde. Le Notre Père de Sainte Mechtilde pour les âmes du purgatoire. Notre Père qui es aux cieux, je t'en prie, ô Père céleste, pardonne aux âmes du purgatoire, car elles ne t'ont pas aimé ni rendu tout l'honneur qui t'est dû, à toi, leur Seigneur et Père, qui par pure grâce les a adoptés comme tes enfants, mais elles, au contraire, t'ont, à cause de leurs péchés, chassé de leur cœur où tu voulais pourtant habiter. En réparation de ces fautes, je t'offre l'amour et la vénération que ton Fils incarné t'a témoigné tout au long de sa vie terrestre, et je t'offre toutes les actions de pénitence et de satisfaction qu'il a accomplies et par lesquelles il a effacé et expié les péchés des hommes. Amen. Que ton nom soit sanctifié. Je te supplie, ô Père très bon, pardonne aux âmes du purgatoire, car elles n'ont pas toujours honoré dignement ton saint nom. Mais elles l'ont souvent prononcé en vain, et elles se sont rendues indignes du nom de chrétien par leur vie de péché. En réparation de ces fautes qu'elles ont commises, je t'offre tout l'honneur que ton Fils bien-aimé a rendu à ton nom, par ses paroles et par ses actes, tout au long de sa vie terrestre. Amen. Que ton règne vienne.
Je t'en prie, Père très bon, pardonne aux âmes du purgatoire, car elles n'ont pas toujours recherché ni désiré ton royaume avec assez de ferveur et d'application. Ce royaume qui est le seul lieu où règne le véritable repos et l'éternelle paix. En réparation de leur indifférence à faire le bien, je t'offre le très saint désir de ton divin Fils, par lequel il souhaite ardemment qu'elle devienne, elle aussi, héritière de son royaume. Amen. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je t'en prie, ô Père très bon, pardonne aux âmes du purgatoire, car elles n'ont pas toujours soumis leur volonté à la tienne. Elles n'ont pas cherché à accomplir ta volonté en toutes choses, et même elles ont souvent vécu et agi en ne faisant que leur propre volonté. En réparation de leur désobéissance, je t'offre la parfaite conformité du cœur plein d'amour de ton divin Fils avec ta sainte volonté et la soumission la plus profonde qui te témoigna en t'obéissant jusqu'à sa mort sur la croix. Amen. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Je t'en prie, ô Père très bon, pardonne aux âmes du purgatoire, car elles n'ont pas toujours reçu le sacrement de l'Eucharistie avec assez de désir. Mais elles l'ont souvent reçu sans recueillement ni amour, ou même indignement, ou encore elles ont même négligé de le recevoir. En réparation de toutes ces fautes qu'elles ont commises, je t'offre l'éminente sainteté et le grand recueillement de notre Seigneur Jésus-Christ, ton divin Fils, ainsi que l'ardent amour avec lequel il nous a fait cet incomparable don. Amen. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Je t'en prie, ô Père très bon, pardonne aux âmes du purgatoire toutes les fautes dont elles se sont rendues coupables en succombant aux 7 péchés capitaux. Et aussi, en n'ayant pas voulu aimer ni pardonner à leurs ennemis. En réparation de tous ces péchés, je t'offre la prière pleine d'amour que ton divin Fils t'a adressée en faveur de ses ennemis lorsqu'il était sur la croix. Amen. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Je t'en prie, ô Père très bon, pardonne aux âmes du purgatoire, car trop souvent elles n'ont pas résisté aux tentations et aux passions. Mais elles ont suivi l'ennemi de tout bien et se sont abandonnées aux convoitises de la chair. En réparation de tous ces péchés aux multiples formes dont elles se sont rendues coupables, je t'offre la glorieuse victoire que notre Seigneur Jésus-Christ a remportée sur le monde, ainsi que sa vie très sainte, son travail et ses peines, sa souffrance et sa mort très cruelle. Amen. Mais délivre-nous du mal et de tous les châtiments, en vertu des mérites de ton Fils bien-aimé, et conduis-nous, ainsi que les âmes du purgatoire, dans ton royaume de gloire éternelle qui s'identifie à toi. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici le ressuscité qui nous fait passer de la mort à la vie éternelle. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions encore le Seigneur. Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, nous procure le salut et qu'elle nous affermisse dans la lumière de ta vérité par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous prions avec sainte Mechtilde, la Vierge Marie. Je vous salue, Marie, au nom du Père Tout-Puissant. Je vous salue au nom de la sagesse éternelle qui est le Fils de Dieu. Je vous salue au nom de la très douce bénignité du Saint-Esprit.
Je vous salue, Marie, qui éclairez le ciel et la terre, qui êtes pleine de grâce, dont vous remplissez tous ceux qui vous aiment. Le Seigneur est avec vous, qui est le Fils unique de Dieu le Père, et qui est aussi le Fils unique, l'ami très fidèle, et le très doux époux de votre cœur virginal. Faites-moi, s'il vous plaît, selon son cœur et le vôtre. Amen. Nous allons prier Saint Joseph avec une prière de Jules II, le pape. Ô Saint Joseph, dont la protection est si grande, si forte et si prompte devant le trône de Dieu, que je mets en vous tous mes intérêts et désirs. Ô Saint Joseph, assistez-moi par votre puissante intercession et obtenez pour moi de votre divin Fils toutes les bénédictions spirituelles par Jésus-Christ notre Seigneur, de telle manière qu'ayant engagé ici-bas votre pouvoir céleste, je puisse offrir mes remerciements et mon hommage au Père qui nous aime. Ô Saint Joseph, je ne me fatigue jamais de vous contempler, vous et Jésus endormis dans vos bras. Je n'ose pas approcher pendant qu'il se repose près de votre cœur. Embrassez-le en mon nom et baisez sa tête délicate pour moi et demandez-lui de m'embrasser à son tour lors de mon dernier soupir. Saint Joseph, patron des âmes du purgatoire, priez pour nous. Marie au cœur douloureux et immaculé, sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, reine de la paix, prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, prie pour nous et sanctifie nos familles. Sainte Mechtilde, prie pour nous. En ce jour de Sainte Mechtilde, on vous propose donc ce Notre Père. Vous avez donc une petite vidéo qui a été réalisée hier pour vous permettre de prier ce Notre Père tous les jours pour la délivrance des âmes du purgatoire. Donc une petite explication au début. Et si vous voulez prier que le Notre Père tous les jours, vous rendez vers 4 minutes environ dans la vidéo. Et à la quatrième minute commence cette prière du Notre Père que nous pouvons vivre ensemble tous les jours. Demandons vraiment cette grâce, ayant du cœur, du courage pour prier pour ces âmes qui attendent notre prière et qui ne peuvent rien faire pour elles-mêmes. Elles ne peuvent que prier pour nous. Alors nous, ayons la grâce de prier pour elles. Belle journée à tous.